Et maintenant, il n'y a plus que deux personnes qui soient au courant. Ouais, Black et White. Agréable comme situation. White, j'ai peur. Si tu crois que je me sens bien, moi. Oui, il faut foutre le camp. Et vite. D'accord, mais tu penses que Furax va nous laisser... Ah, j'y vais. Allô? C'est vous, Black? Oui. Écoutez-moi bien. J'ai posté des inspecteurs de la DDT à toutes les issues de chez vous. Ils ont ordre de tirer si vous cherchez à vous évader. N'oubliez pas que vous êtes considérés comme deux dangereux criminels. Ah, mais Fouvreau, enfin... Deuxième chose. Le couteau planté entre les épaules de l'électricien dans votre chambre porte vos empreintes digitales. Compris? Adieu. Bon. Eh bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais faut partir, Wait. Sinon, on est cuit. Oh, le salaud! L'ordure! Il y a des moments où on voudrait être aussi ordure que ces gens-là. Oh, Black! Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? On voudrait être ordure. Oui? Quelle heure est-il? 6h du matin. Black, c'est l'heure où les boueux ramassent les ordures. Oh, bon sang, ouais, c'est une chouette idée. Le vide ordure. Allez, vite à la cuisine. Oui, allons-y. Oh, une idée. Mais oui, c'est enfantin. T'as trouvé quelque chose? Bah, tu parles. Voyons, très sonnant. Qu'est-ce qu'on expédie par le vide ordure? Bah, je sais pas, des ordures. Bon, alors? Ah, mais oui! T'as saisi? Mais voyons, faut qu'on se déguise en ordure. Mais tout simplement. Le principal, c'est que ça fasse vrai. Oui. Voyons. Il reste du bouillon gras. Oui, attends. Là, on le fait tout, là. Bon, oui. Alors ça va, alors. Allez, verse-moi la moitié sur la tête. Oui. Tiens, le fais tout assez haut pour que ça dégouline bien. Allez, vas-y. Allez. Bon. Allez, je te verse le restant. Oui. Ferme la bouche, je t'en avale au passage. Oh, bah quoi, il est bon. Oh, je t'en prie, hein. Et dis donc, il reste du coq au vin. Du coq au vin, oui. Tiens, allez, attends. Hop, le gras surtout. Oui, attends. Faut que ça colle aux vêtements, là. Vas-y. Allez, encore. Ah. Allez, bon. Ah. Bon, alors, allez, les sardines, les anchois, les harengs. Ouais, c'est ça, là, bien écrasé. Allez, là. Sur la tronche, là, les deux hauts en bas, le bas en haut, là. Qu'est-ce que ça donne? Pas mal, mais ça suffit pas. Faudrait du ragoût. Ah oui, il doit en rester. Oh, attends, tiens, voilà. Ah oui, il y en a. Gélatineux à point. Ah, oui. Attends. Eh ben, Allez, sur le dos, la poitrine, la étale, mon vieux. Il reste plus rien? Si, les feuilles d'artichaut, les épinards au jus, les rillettes. Allez, dans les oreilles. Du céleri remoulade. Dans les trous de nez. Il n'y a pas de carottes. Si, mais elles sont entières par paquet de 6. Ah, bah alors là, je sais vraiment plus où les mettre. Ah, bah écoute, il n'y a qu'à se les mettre. Non, ça se verra pas assez. Bon, bah, dans les souliers. Pis. Bon, allez, prêt? Prêt. Je me lance? Je te suis. Allons-y. Ben voilà, on est dans la poubelle. Allez, tassons-nous dans les vraies ordures. On a l'air plus vrai qu'elle, dis donc. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée du camion municipal. Je crois que je l'entends. Et au silence, voilà les bouées. Allez, en vitesse, les gars, c'est le dernier chargement. Pardon, c'est rien lourd. Oh, t'as raison, je sais pas ce qu'ils ont baité, mais ils sont sûrement pas au régime. Donne-moi un coup de main. Complet. Allez, roulez. Et une heure plus tard, à l'Institut d'électronique transcendantale de Châtillon-sous-Meudon, le planton faisait au professeur Hardy Petit cette annonce insolite. Monsieur le professeur, il y a deux ordures qui demandent à vous voir d'urgence. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.